Welcome to Stargate. Bienvenue au SGC. Je m'appelle Amanda Tapping et je joue le lieutenant-colonel Samantha Carter. Samantha est l'officier scientifique et le commandant d'une unité d'élite baptisée SG-1. Sa mission, explorer de lointaines planètes de la galaxie grâce à une extraordinaire invention, la porte des étoiles. Au cours de ses aventures, SG-1 affronte des ennemis maléfiques, rencontre des êtres plus évolués et découvre des technologies fantastiques. Ah, et il leur arrive souvent aussi de sauver l'humanité et la galaxie. L'une de nos plus grandes fiertés sur cette série, c'est de repousser la science-fiction jusqu'aux limites de l'imagination. Parasites extraterrestres, univers parallèles, voyages temporels et passages vers d'autres zones de l'espace et du temps. Pour certains, tout cela appartient au domaine de la fiction, mais cela ne veut pas dire pour autant que c'est faux. Au-delà de l'univers de Stargate, ce documentaire va vous faire découvrir des hypothèses scientifiques tout à fait sérieuses. Et nous verrons ensemble que ce qu'on prend pour de la science-fiction peut parfois se révéler bien réel. Attention, test. 1, 2, 3. Action. Non, on émerge de l'hyperespace. C'est ce que je dois dire ? On l'a refait. La science et la science-fiction semblent se rapprocher de plus en plus, et je pense que c'est tout à fait normal. Ce sont deux purs produits de l'imagination humaine. Ce sont deux domaines dans lesquels on passe son temps à se demander « et si ?». Ce sont deux manières d'essayer de comprendre quelle est notre place dans cet univers si complexe. Pensez à regarder vers moi. On lit le journal et les revues scientifiques, on suit l'actualité à la recherche d'éléments intéressants. On est toujours à l'affût de sujets brûlants qui pourraient nourrir notre inspiration. Je lis des bouquins sur les trous noirs, je lis du Stephen Hawking. Bon, bah, j'en comprends qu'une partie, mais c'est toujours marrant de se dire, tiens, ça ou ça, je pourrais l'intégrer à mon scénario. Relaying the information. La science-fiction aborde les sujets sous l'angle de la fiction, en racontant des histoires, mais les scénaristes doivent néanmoins résoudre les mêmes problèmes que les scientifiques. Et bien souvent, les auteurs de science-fiction se rapprochent plus de la vérité que les scientifiques. La série est tellement ancrée dans le monde de la science à travers le vocabulaire et les références à des phénomènes réels de l'univers que les gens qui s'y connaissent n'y trouvent pas seulement le plaisir du divertissement. Ils se passionnent pour l'aspect scientifique réel. La science est très intéressant, mais dans une série de SF, il n'y a rien de mieux qu'une bonne bataille du bien contre le mal. Depuis le tout début, SG-1 a dû affronter le pire ennemi de l'humanité. Une race d'extraterrestres si maléfiques qu'ils ne reculeront devant rien pour conquérir toute la galaxie. Ils ont peuplé nos cauchemars et nous ont contraints à prendre des risques terrifiants. Nous avons pensé plus d'une fois qu'ils allaient nous écraser. Ce sont les Goa'uld. Comme on peut s'y attendre de la part de parasites extraterrestres maléfiques, les Goa'uld ont manipulé leurs armées d'esclaves, les Jaffa, pour se lancer à la conquête de la galaxie. Mais un courageux esclave nommé Tilk a compris la vérité et s'est libéré du joug de ses maîtres. Il s'est alors rallié à nous, l'équipe de Stargate, pour tenter de défendre l'univers en péril. C'est prometteur, pas vrai? Ces créatures parasites ne pouvaient survivre qu'à l'intérieur du corps d'un hôte. Donc ils se sont rendus en Égypte il y a très longtemps et ils ont capturé tout un peuple pour servir d'hôte à leurs larves. Les larves restent dans le corps jusqu'à ce qu'elles soient assez âgées pour prendre un hôte permanent. Donc on peut dire que les Jaffa servent d'incubateur aux larves de Goa'uld. Ce n'est pas le genre d'ennemi sur qui on peut tirer ou qu'on peut fuir. Il est en vous, il vous contrôle. Et ils ont ce côté répugnant. En plus, ce sont des monstres qui ressemblent à des serpents plus dégoûtants et qui s'infiltrent dans le crâne des gens. Les Goa'uld sont aussi intelligents que malfaisants, ce qui en fait des ennemis redoutables. Mais si on regarde autour de nous sur notre propre planète, on peut trouver des créatures tout aussi terrifiantes. Si vous étiez un extraterrestre et que vous arriviez sur Terre et que vous observiez objectivement les organismes vivants de la planète, en rentrant chez vous, que diriez-vous à vos congénères ? La plupart des créatures de la Terre sont des parasites.
Le professeur Janovi est le plus grand spécialiste mondial d'une discipline qui fait froid dans le dos. Voici un Monyesa expansa, un ver solitaire du mouton. Son laboratoire de l'Université du Nebraska possède une collection de plus de 150 000 spécimens aussi dégoûtants qu'inhabituels. Voici des fasciolaïdes mania qui ont été extraits du foie d'un cerf de Virginie. Chacune des créatures de ce véritable musée des horreurs prolifère en vampirisant un autre animal. Voici des Ascaris lombricoïdes ou nématodes. Environ une personne sur quatre dans le monde est contaminée par ces vers. C'est celui que les enfants attrapent parfois à l'école. Figurez-vous que nous, les humains, sommes des hôtes extrêmement accueillants et douillets pour les parasites. Voici un Tenia saginata, le ver solitaire du bœuf que les humains attrapent en mangeant de la viande pas assez cuite. Si on le dépliait sur une table et qu'on le mesurait, je pense qu'il ferait facilement 5 ou 6 mètres. Et un humain peut être porteur de plusieurs vers à la fois. Ces immondes créatures sont de véritables vampires. Elles exploitent les autres êtres vivants en se nourrissant de leur corps. Elles sont sans pitié. Elles prennent ce dont elles ont besoin, se reproduisent, puis infectent quelqu'un d'autre. Et le plus horrible là-dedans, c'est que nous, les humains, fournissons un hébergement idéal à ces monstres. Il y a toute une variété de parasites qui peuvent infester l'être humain. Les poules, les tiques et les douves qui vivent dans les vaisseaux sanguins. Il existe de gros nématodes qui vivent dans vos intestins et d'autres parasites qui colonisent votre bouche. Certains peuvent entraîner de graves irritations, voire une destruction de la peau. D'autres attaquent la rate ou le foie. Au cours de sa vie, un homme peut être infesté par plus de 200 espèces de parasites. Ce qui rend les Goa'uld si effrayants, c'est qu'ils sont capables de contrôler totalement leurs hôtes humains. Mais je suppose que maintenant vous vous en doutez. Cette terrifiante invention de la science-fiction est en fait basée sur des faits scientifiques réels. De nombreuses études confirment l'existence de parasites susceptibles de modifier le comportement de leurs hôtes. Voici des images de Dicrocelium dendriticum. Ils passent une partie de leur cycle de vie dans le cerveau des fourmis. Ce sont des parasites comme les Goa'uld, mais un peu plus petits. Leurs larves s'infiltrent dans le cerveau des fourmis et altèrent leurs instincts naturels. Au lieu de courir au sol comme une bonne fourmi à l'abri des prédateurs, l'insecte est poussé au suicide. Il a le besoin irrépressible de grimper au sommet d'un brin d'herbe où il a de fortes chances d'être avalé par un mouton. Une fois dans le mouton, le parasite peut continuer son répugnant cycle de vie. Mais ça n'arrive pas qu'aux fourmis, oh non. Accrochez-vous bien, car des scientifiques pensent que certains parasites peuvent nous forcer, nous humains, à faire des choses que nous ne pouvons contrôler. Par exemple, le ver solitaire du porc que nous pouvons attraper en mangeant du porc mal cuit peut entraîner la formation de kystes dans différentes parties du corps, y compris le cerveau. Cela provoque divers effets sur le comportement de la personne infectée. Vertige, somnolence et parfois même une altération de la vue. Comme on le voit dans la nature, un parasite peut effectivement modifier le comportement de son hôte. Donc, si un simple ver solitaire peut affecter notre comportement et entraîner fatigue ou vertige, serait-il possible qu'un parasite extraterrestre comme un Goa'uld prenne totalement le contrôle de notre esprit? La théorie de l'évolution stipule qu'il faut qu'il y ait une raison pour ça. Alors peut-on imaginer qu'une infestation par un certain type de ver puisse nous rendre agressifs et cruels et provoquer des comportements criminels? Si cela entraîne un bénéfice reproductif, alors oui, pourquoi pas. Effrayant, non? Mais vous n'avez pas encore tout vu. Le professeur Janovi pense que ce n'est pas nous qui sommes la forme de vie dominante sur la planète Terre. Ce sont les parasites. Ils infestent toutes les autres créatures. Ils sont plus diversifiés que nous et peuvent occuper des milieux dans lesquels nous serions incapables de vivre. Dans certains cas, ce sont eux qui contrôlent la croissance de la population. C'est vraiment la forme de vie la plus efficace et la mieux adaptée de la planète. C'est cette porte des étoiles qui sert de cadre à notre grande bataille du bien contre le mal.
De notre côté, il y a le SGC, quelques alliés extraterrestres comme les Asgard ou les Tok'ra, et diverses colonies humaines qui habitent la galaxie. Face à nous, il y a les terrifiants parasites Goa'uld et un ennemi aussi vorace que résistant, les réplicateurs. Au début, nous, les Terriens, devions les affronter avec nos armes à feu primitives. Mais très vite, nous avons découvert ceci, la lance Jaffa. Et ça, le Zat. Une décharge de cette arme paralyse votre ennemi, la seconde le tue. Vous croyez sans doute que c'est encore de la science-fiction, mais figurez-vous que la réalité est bien plus étonnante. Ce que vous venez de voir, c'est un taser. Une arme de poing qui permet de maîtriser des criminels en leur infligeant une violente décharge électrique de 50 000 volts. Le plus incroyable, c'est que le taser est capable d'immobiliser un suspect sans le tuer ni entraîner de blessures. Mais le gouvernement américain développe en secret une arme encore bien plus puissante. Son nom, l'ADS, ou système de répulsion active. Cette arme classée secret défense émet un rayon d'onde millimétrique un peu comme celle de votre four micro-ondes, mais beaucoup plus concentré. D'après les spécialistes, c'est l'arme à énergie idéale. Puisque les rayons paralysants sont déjà au stade de l'expérimentation, nos rayons capables de désintégrer un ennemi sont-ils si irréalistes? Pour vaporiser un corps humain, il faudrait le chauffer à environ 100 millions de degrés, ce qui demanderait une énergie considérable. Au point que j'ai du mal à imaginer une arme de poing capable d'émettre un tel rayon. Les armes à énergie dirigée peuvent être utiles dans certains contextes. Elles peuvent brûler des matériaux, détruire des équipements électroniques, ou aveugler des gens, ce genre de choses. Prochaine étape, le décor de Stargate SG-1. Nous allons en apprendre un peu plus sur les plus terrifiants ennemis de l'humanité. Et voir si leurs cousins de la Terre doivent être accueillis avec respect ou avec crainte. Le moment est venu d'affronter les réplicateurs. There's been a change of flight plans. Not that I want to show off or anything. Ce n'est pas pour me vanter, mais Stargate est aujourd'hui l'une des plus longues séries de SF du monde, suivie par près de 20 millions de personnes dans plus de 80 pays. Not bad, eh? Pas mal, non? Faut être sûr de bien voir Ben quand il s'arrête. C'est incroyable que la série plaise autant au public parce que les héros sont vraiment une bande d'incapables qui s'attirent toujours les pires ennuis et qui nous mettent tous en danger. Apparemment, le fait qu'ils arrivent quelquefois à s'en sortir, voire à rattraper leurs erreurs, pousse les spectateurs à continuer à les suivre. Ben, tu veux bien reprendre ta place? Donc, on ne voit que lui. La série est tournée dans une dizaine de studios différents à Vancouver, au Canada. Elle emploie plus de 500 personnes entre l'équipe technique et les acteurs. Grâce à un planning d'enfer, nous parvenons à sortir un épisode par semaine. C'est un rythme très soutenu, mais ça ne nuit pas du tout à l'ambiance de tournage. Attention, 3, 2, 1, action! Stop the oppression. Ah bah, les cadences infernales. Comme vous pouvez le voir, on ne se prend pas trop au sérieux chez nous. Personne n'a de mauvaise attitude. Personne ne se prend pour une star, on ne supporterait pas ça. Si quelqu'un veut faire une blague, on attend avant de tourner. C'est toujours le rire qui passe en premier. Coupé. Au cœur des aventures de Samantha Carter et de SG-1, il y a une chose qui rend cette série tout à fait unique. La voici, la porte des étoiles. C'est une invention extraordinaire, ornée de symboles inconnus. Elle est superbe, mais ce qui la rend encore plus fantastique, c'est qu'elle nous permet de voyager à travers le temps et l'espace. Dans Stargate, on imagine qu'il existe des milliers, voire plus, d'anneaux comme celui qui se trouve derrière moi, disséminés aux quatre coins de la galaxie et qui permettent de voyager de planète en planète. Il suffit de traverser cet anneau pour y être téléporté instantanément.
Je pense que l'une des raisons du succès et de la longévité de la série, c'est que la Porte des Étoiles est une idée de départ formidable pour raconter des histoires. C'est vrai que, pour nous, c'est un accessoire extraordinaire. C'est la porte d'entrée de nos aventures. À chaque épisode, on se demande où on va aller. C'est comme de grimper avec vos amis dans un wagon de montagnes russes différentes toutes les semaines. Notre Porte des Étoiles fait partie d'un réseau de plusieurs milliers éparpillés dans la galaxie et créé par une civilisation ancienne, puissante et mystérieuse. Elle nous permet de traverser des distances insondables en un clin d'œil. Le voyage interplanétaire instantané. Alors, comment ça marche? Comme Samantha Carter tente fréquemment de l'expliquer sans succès à Jack O'Neill, une porte des étoiles crée un vortex artificiel dans le continuum espace-temps. C'est une sorte de tunnel à travers le temps et l'espace qui permet de franchir des distances énormes en une fraction de seconde. Est-ce vraiment une invention de la SF ou un domaine de recherche scientifique réel? La vérité risque de vous surprendre. Einstein nous a démontré que la masse et l'énergie étaient capables de courber l'espace. Regardez, si je prends cette boule de bowling et que je la pose sur ce trampoline qui représente un univers en deux dimensions, on observe que l'espace autour d'elle s'incurve. Ce phénomène a tout un tas de conséquences intéressantes. Pour parler clairement, la théorie d'Einstein nous dit que quelque chose de vraiment très gros, un corps qui aurait une très forte gravité, comme une étoile ou une planète géante, pourrait courber l'espace. Et si ce corps est assez massif, la courbure peut être importante, très importante. Prenez cette perche. Imaginez que ce soit votre univers et que vous soyez une fourmi qui vit dessus. La route est longue d'un bout à l'autre, à moins que votre espace ne soit courbé. On pourrait se dire que là on est tout près et qu'on n'aurait qu'à sauter d'un bout à l'autre, mais c'est impossible car il n'y a pas d'espace entre les deux. Votre espace, c'est cette perche et il faut faire tout le chemin. La seule solution serait de rapprocher suffisamment les deux bouts pour qu'ils se touchent. On modifie la topologie de l'espace et on crée un raccourci. C'est ça le trou de ver ou vortex. Donc si on était assez malin, on devrait théoriquement pouvoir courber l'espace au point de le replier complètement sur lui-même. Si vous pensez que ça ne tient pas debout, regardez un peu ça. Nous sommes au milieu d'une représentation géométrique de l'espace, avec le SGC d'un côté et de l'autre la Lune à 385 000 km de là. Ça paraît loin, hein? Mais si on recourbe l'espace au niveau du SGC et au niveau de la Lune, au bout d'un moment, les deux tunnels se rejoignent pour ne plus en former qu'un. On obtient un trou de ver par lequel la distance entre le SGC et la Lune est très courte. D'ailleurs, si on regarde dans le tunnel, on voit la Lune de l'autre côté. Juste de l'autre côté. Plutôt cool, non? Mathématiquement, ils existent. Ils sont compatibles avec les lois de la physique, mais ils restent quand même à les créer. Et notre technologie n'est pas assez avancée pour creuser des trous de ver. En plus, le problème des trous de ver, c'est qu'ils sont très instables. Ils se referment. Si on creuse ce tunnel et qu'on le laisse comme ça, il va s'effondrer sur lui-même. Les champs gravitationnels de part et d'autre du trou de ver seraient si intenses que chaque extrémité du tunnel s'effondrerait en un trou noir dont rien ne peut s'échapper. Mais en admettant que des scientifiques parviennent à consolider ce trou de ver, le voyage serait fortement déconseillé aux âmes sensibles. Ce serait terrifiant de traverser ce tunnel, car à l'intérieur, le temps et l'espace seraient complètement repliés et tordus, et le champ gravitationnel serait titanesque. Au moindre faux pas, on serait déchiqueté. Les scientifiques pensent qu'un trou de ver ressemblerait sans doute à une espèce de boule de cristal flottant dans l'air. En regardant à travers, on apercevrait un reflet de ce qui se trouve à l'autre bout. Et c'est à peu près l'apparence que les producteurs de Stargate ont donnée au vortex de notre porte. Ce serait un peu comme un miroir. En regardant dedans, on voit un autre monde. Et si on fait le tour, il n'y a rien derrière le miroir. Mais si on traverse le miroir, comme Alice, on se retrouve de l'autre côté. Tout porte à croire qu'il serait très difficile de créer un trou de ver. Mais leur existence est compatible avec les lois de la physique. La Porte des Étoiles nous a donné accès à tout un monde d'aventures au fil desquelles SG-1 a parfois sauvé la galaxie. Mais elle nous a aussi amenés à rencontrer des ennemis terrifiants et très étranges.
Voici mon laboratoire. C'est ici que j'ai découvert que ces petits éléments de technologie extraterrestre constituaient la plus redoutable menace que l'humanité ait jamais affrontée. Bien que nos adversaires les plus acharnés et les plus mémorables restent les parasites Goa'uld, très tôt dans la série, nous nous sommes retrouvés face à un ennemi qui nous paraissait absolument invincible. Nous avons cru les repousser, mais ils sont vite revenus à la charge, encore plus forts, plus redoutables et plus décidés à conquérir l'univers. Ce sont les réplicateurs. Il est pratiquement impossible d'arrêter les réplicateurs. Ils dévorent tout ce qu'ils rencontrent et utilisent ces matériaux pour se répliquer, devenant à chaque fois plus résistants et plus puissants. Ils sont capables de prendre des formes diverses, des arachnides, des vaisseaux spatiaux et même des êtres humains. Dans la saison 8, ils ont même fabriqué une réplique de mon personnage. Ce qui est terrifiant, c'est qu'ils communiquent entre eux et qu'ils partagent une sorte de conscience commune. Ils sont nés d'une envie de créer un nouvel ennemi pour changer des Goa'uld. Mais eux, ce sont de véritables machines à tuer, comme les requins. On ne peut pas raisonner avec eux. C'est ça qui les rend si redoutables. Ici, des scientifiques sont déjà en train de créer des robots pas si éloignés que ça des réplicateurs. Ces prototypes de l'Université de Floride sont capables de parler entre eux et de penser comme s'ils ne faisaient qu'un. Mais heureusement, ils sont conçus pour nous aider et non pour nous détruire. C'est parti! Des ingénieurs ont mis au point des robots susceptibles de participer à la recherche de survivants après une catastrophe importante. Ils sont fréquemment employés par les services d'urgence qui les ont utilisés, notamment après les attentats du 11 septembre. Comme les réplicateurs, ils sont extrêmement mobiles et disposent d'un réseau de communication très sophistiqué. L'idéal pour les opérations de secours. Pour la recherche de survivants, on utilise trois types de robots. On a des robots terrestres capables de s'infiltrer au milieu des décombres, là où ni les sauveteurs ni les chiens ne peuvent accéder. On a aussi des engins volants qui sont parfois très utiles, particulièrement après une tempête ou un tremblement de terre où la zone sinistrée est très vaste. Et enfin, n'oublions pas les mini-sous-marins. Nos villes ont d'importants réseaux d'eau et ces robots peuvent rechercher les fuites ou les anomalies et prévenir par exemple l'effondrement d'un pont. Le plus souvent, vu notre technologie actuelle, l'humain reste le plus intelligent. Mais ça ne va peut-être pas durer, parce que nos robots seront bientôt capables de coopérer entre eux. Ils nous envoient des informations et ils commencent aussi à relayer ces informations vers leurs amis robots, leurs semblables, en leur disant « Tiens, quand vous voyez ceci, ralentissez, parce que c'est dans ce genre d'endroit qu'on trouve des survivants. » Je vois un feu. Il pourrait relayer ces données à des engins volants. Ceux-ci pourraient être assez sophistiqués pour se dire « Tiens, il se passe ça, j'appelle mon autre ami robot au sol, il ne fait pas grand-chose là où il est, autant qu'il vienne travailler ici. » Imaginez qu'on ait tout un réseau où la bonne information arrive à la bonne personne, ou plutôt au bon robot, au bon moment. Les scientifiques de la NASA ont poussé encore un peu plus loin cette idée de machines travaillant en réseau. Ils ont développé un robot baptisé 12 Tech. Il peut se déplacer de lui-même au sol, en rampant, en se retournant et en retombant. Mais le plus formidable, c'est quand on en fait travailler plusieurs ensemble. Lorsqu'ils s'associent, ils peuvent progresser en terrain accidenté, passer des obstacles difficiles et même grimper des parois abruptes. Ils pensent comme s'ils ne faisaient qu'un. Chacun des robots est autonome, mais leur action globale est celle d'un organisme unique. Une autre des caractéristiques les plus effrayantes des réplicateurs, c'est leur capacité d'apprentissage sans limite. Ils évoluent et deviennent de plus en plus intelligents et de plus en plus puissants. À l'université de Reading, le professeur Kevin Warwick prépare déjà la révolution robotique. Il étudie comment les robots peuvent penser et apprendre.
Avec son équipe, il mène des expériences sur des robots très simples, amenés à interagir les uns avec les autres et avec leur environnement. Chacun de nos robots a en gros l'équivalent de 50 à 100 neurones au maximum. Ça correspond à peu près à l'intelligence d'une limace ou d'un escargot. Donc, ils sont relativement sommaires, mais nous pouvons tout de même étudier de quelle manière ils apprennent. Ces robots n'ont pas reçu d'ordre spécifique. Ils doivent apprendre par eux-mêmes. Tout ce qu'on leur a donné, c'est un but général, avancer, mais sans buter dans quoi que ce soit. Du coup, les robots inventent différents comportements et différentes caractéristiques. Est-ce que je me déplace à gauche? Est-ce que je recule? Est-ce que je tourne sur moi-même? Les robots ont fini par faire des choses dont le professeur et son équipe n'osaient rêver. Il y a de bons et de mauvais robots. Tout dépend de leur expérience et de leur apprentissage. Nous avons même eu un robot suicidaire. Il ne faisait que des erreurs. Et il a fini par ne plus rien faire du tout. Nous n'avons obtenu ce résultat qu'une fois. Mais ces cas extrêmes peuvent se produire. Ce ne sont plus seulement des machines qui suivent le programme qu'on leur a donné et qui font toujours ce qu'on attend d'elles. Je suis sûr que des robots capables d'apprendre feraient exactement ce qu'ils voudraient. Pour Kevin Warwick, la conclusion est claire. Un robot qui apprend tout seul pourrait finir par décider de ses actes lui-même. Et ça risque de ne pas tourner à notre avantage. Une intelligence mécanique n'aura pas les mêmes valeurs morales ni la même éthique qu'une intelligence humaine. Si elle est capable d'apprendre et de décider par elle-même qui sont ou non ses amis, ça se révélera certainement très dangereux pour les humains. Et j'aurais beau lui dire « Ah, toi, tu n'es pas consciente, moi si, donc tu ne peux pas me tuer », ça ne l'empêchera pas de m'exploser la cervelle. On se croirait dans Stargate, non ? Il prend cette menace tellement au sérieux qu'il a cherché comment y faire face. Et sa solution nous rapproche encore plus de la science-fiction. La seule possibilité que j'ai trouvée, c'est de nous faire évoluer nous-mêmes au-delà de notre condition humaine pour devenir des cyborgs. Je pars du principe que si les machines deviennent plus intelligentes que nous, autant se rapprocher d'elles et devenir nous aussi en partie des machines. Vous pensez qu'il rêve ? Regardez un peu ça. Le professeur Warwick s'est fait implanter une puce électronique dans le nerf principal du poignet gauche. Cette expérience cybernétique a eu lieu en 2002. Depuis, ses robots peuvent interagir directement avec son système nerveux. Il peut contrôler des appareils, comme cette main robotisée, et piloter ce fauteuil roulant par la pensée. À gauche. À droite. Tu t'amuses bien, Kevin ? Ouais, c'est génial. Et la puce permet aussi le transfert d'informations dans le sens inverse. Son équipement peut envoyer des informations directement à son cerveau. Lors d'une expérience, des détecteurs radar fixés sur une casquette transmettaient des signaux à son esprit. Il s'est bandé les yeux et s'est alors découvert la capacité de voir dans le noir comme une chauve-souris. C'était une sensation inédite. Je découvrais un nouveau sens. Ce n'était pas comme si quelqu'un me touchait, mais je pouvais sentir que quelque chose était près de moi, sur ma gauche ou sur ma droite. Écoute ma voix. Tourne-toi vers moi, continue à me suivre. Repars dans l'autre sens. La prochaine expérience du professeur franchira les frontières de la SF. Il se fera implanter une puce directement dans le cerveau. Par ici, concentre-toi. Deviendra-t-il effectivement un cyborg, mi-homme, mi-machine? Seul l'avenir nous le dira. Tu me reconnais? Je suis ton Terminator. J'adorerais avoir certaines des capacités des machines, leur mémoire par exemple, ou la possibilité de communiquer simplement par la pensée. Mes nouvelles sensations pourraient m'ouvrir la porte de nouvelles dimensions. Je pourrais penser non plus en trois dimensions dans les limites de mon corps humain, mais peut-être en cinq dimensions. Ce serait formidable. Je verrais le monde sous un jour complètement différent. J'ai vraiment hâte d'essayer. Stargate est diffusée depuis presque 10 ans. Elle est devenue l'une des séries de science-fiction les plus populaires du monde. Ses fantastiques effets spéciaux, ses scénarios passionnants, et si je puis me permettre, ses héros formidables ont assuré son succès auprès des téléspectateurs. Mais notre intérêt pour la science-fiction ne se limite pas au combat contre des aliens. What's the difference? Living organisms multiply. Machines replicate. Machines inside the body. How is that possible? When I was at the Pentagon, I worked for a year with a group that studied nanotechnology. We were looking at it for a lot of different uses. One of them was medicine.
Eh oui, la réalité rattrape encore une fois la fiction. À l'université du Michigan, le docteur Baker et son équipe ont combiné la médecine, l'ingénierie et l'informatique pour fabriquer des nanoparticules. Ces particules sont si minuscules que 100 000 d'entre elles tiendraient dans la plus petite cellule du corps humain. Mais ne vous fiez pas à leur taille. Elles sont capables de prouesses extraordinaires. Nous effectuons des opérations chirurgicales au niveau microscopique pour intervenir sur des molécules elles-mêmes au lieu d'ouvrir le corps des gens pour les découper. C'est une nouvelle dimension de la médecine qu'on pourrait appeler de l'ingénierie humaine. Ces particules sont conçues si précisément qu'une fois dans le corps, elles peuvent agir comme de mini-robots médecins. Elles peuvent localiser des cellules malades et leur délivrer des traitements extrêmement spécifiques. L'équipe a obtenu des résultats impressionnants. Si vous voulez, par exemple, administrer un médicament au niveau d'une cellule cancéreuse, la nanoparticule commencerait par localiser cette cellule. Elle l'identifierait par rapport à un modèle, donc on pourrait littéralement voir la tumeur. Ensuite, elle vous dirait précisément quelles sont les anomalies génétiques spécifiques de ce cancer. Et elle vous permettrait d'activer le médicament le mieux adapté à la maladie. Ainsi, on pourrait détruire la tumeur sans aucun effet secondaire pour le patient. C'est ça notre but principal, faire du cancer une maladie curable. Apparemment, les possibilités des nanoparticules sont sans limite. On pourrait aussi vous injecter dans le sang des particules qui deviendraient fluorescentes sous certaines conditions. Ainsi, imaginez que vous attrapiez la grippe. On serait prévenu de l'infection virale avant même que vous ne ressentiez les premiers symptômes. Je pense que grâce aux nanotechnologies, nous pourrions passer d'un système de santé basé sur la guérison des maladies à un système vraiment basé sur leur prévention. Je pense que les nanotechnologies pourraient radicalement changer le visage de la médecine. Dès les premiers épisodes, les producteurs ont apporté un soin tout particulier à l'ambiance et à l'aspect visuel de la série. Depuis les décors très militaires de notre base, le SGC, jusqu'aux détails très réalistes des diverses races extraterrestres que nous avons rencontrées. Des guerriers Jaffa aux affreux parasites Goa'uld, en passant par les sympathiques Unas ou les puissants Asgard, nous avons fait la connaissance de nombreux aliens très différents. Quand on veut représenter des extraterrestres, on a plein de possibilités. On a une équipe d'artistes et de designers très talentueux qui travaillent sur la série. Il nous suffit d'aller les voir et de leur demander de nous dessiner différentes propositions. Et une fois qu'ils ont créé quelque chose qui nous plaît, il n'y a plus qu'à réfléchir et essayer de voir ce qu'on peut faire de mieux avec notre budget. Mais si on veut un personnage qui soit marrant et qui puisse interagir régulièrement avec les autres, alors il vaut toujours mieux utiliser un acteur. C'est le meilleur moyen de donner une vraie personnalité à votre extraterrestre. Allez, on recommence. Pour certains des acteurs, jouer un extraterrestre s'est révélé très naturel. J'ai toujours été un peu différent des autres à toutes les périodes de ma vie. Alors ça me va très bien. Je crois que je suis né pour jouer à un extraterrestre. Je trouve que la meilleure manière d'interpréter Teal'c consiste à n'avoir qu'une idée très générale de l'intrigue des épisodes. Je ne m'intéresse jamais vraiment à ce que les autres racontent. Je garde toujours un point de vue un peu distant sur ce qui se passe. Et pour garder cette distance, je ne lis pas les scripts. Je ne lis pas les dialogues, même pas les miens. Ça ne plaisait pas à certains réalisateurs. Mais je pense que mon manque de préparation m'a été très utile. Pour les extraterrestres de Stargate, nous nous inspirons de la nature et de nos pires cauchemars. Mais certains, comme les Asgard, sont vraiment gentils et bienveillants. Ils passent leur temps à sauver l'humanité. Alors, sont-ils si réalistes que ça? Les Asgard sont trop proches des humains pour n'être que des extraterrestres venus d'une lointaine planète sans lien de parenté avec nous. Ce ne serait pas crédible. Si nous rencontrions des extraterrestres dans ce genre-là, l'explication scientifique serait que nous avons eu un ancêtre commun, disons, il y a 2 millions d'années. Il faudrait à peu près 2 millions d'années d'évolution pour qu'on soit si différents.
Très bien, mais à quoi pourraient ressembler de véritables extraterrestres? C'est exactement la question qui a été posée au professeur Stewart par le Musée des sciences de Londres. Si on veut une réponse scientifique, on ne peut pas se contenter de dire « imaginons des monstres de 5 mètres de haut avec la peau bleue et des cornes ». Il faut partir de l'environnement dans lequel vos extraterrestres ont évolué. Par exemple, chez nous sur Terre, nous avons une gravité relativement élevée et un sol très solide. Donc de nombreuses créatures se sont adaptées en développant un squelette rigide pour soutenir leur corps. Mais sur une autre planète, la vie aurait sans doute pris une forme très différente. Prenez Jupiter. C'est une gigantesque boule de gaz à la gravité très forte, mais dénuée de surface solide. Comme il n'y a pas de sol sur lequel se tenir debout, ses habitants n'auraient sûrement pas de squelette. D'ailleurs, il serait plus probable qu'ils volent ou qu'ils flottent dans les airs. Et bien sûr, leur forme et leur comportement découleraient de là. On peut penser à des créatures en forme de ballon qui flotteraient dans l'atmosphère. Nous avons imaginé plusieurs créatures différentes que nous avons baptisées les frisbees, les flashs, les delphines et les darts. Les frisbees sont des troupeaux d'animaux gigantesques de forme circulaire, un peu comme d'énormes crêpes qui tournent très lentement. Ils font la taille d'un terrain de football. C'est gros, mais n'oubliez pas qu'il y a de la place sur cette planète. Puis, nous nous sommes dit que sur les frisbees, il pourrait y avoir des parasites. Alors nous avons créé les flashs, l'équivalent jupitérien du chien avec une lumière bleue sur le dessus. Cette petite balise leur sert à attirer des partenaires potentiels pendant la saison des amours. Et les flashs peuvent sauter d'un frisbee à l'autre pour s'accoupler. Les delphines ont été très intéressants à imaginer. Nous nous sommes dit que contrairement aux nôtres, les squelettes des jupitériens ne seraient sans doute pas en os. Ce serait surprenant sur une géante gazeuse. Donc nous avons pensé qu'à la place, leur structure pourrait être formée de tubes creux qui seraient activés par la pression hydraulique, comme des freins d'automobile. Puis nous avons voulu inventer des prédateurs plus rapides. Ce sont les darts qui vivent dans les couches inférieures de l'atmosphère. Ils ont quatre espèces de nageoires montées à angle droit, comme l'empennage d'une fléchette, dont ils ont aussi l'extrémité pointue. Les darts chassent en meute, ils grimpent en haute atmosphère et ils attaquent les frisbees. L'univers compte des milliards de planètes et de mondes différents. Alors qui sait quelle forme bizarre pourraient avoir les extraterrestres ? Ils seront sûrement bien plus étranges que les Goa'uld ou les Asgard. En tout cas, pour de nombreux scientifiques, une seule chose ne fait aucun doute. C'est leur existence. L'univers est si vaste, il compte tellement d'étoiles et de planètes, que je serais extrêmement surpris qu'il n'existe pas d'extraterrestres intelligents. Ça n'aurait aucun sens que nous soyons seuls dans l'univers. Il est déjà déconcertant d'envisager l'existence d'une vie extraterrestre, mais imaginer que nous puissions deviner quelle serait la forme ou le comportement de ces aliens, c'est s'aventurer au-delà des limites conventionnelles de la science. Néanmoins, notre dernier sujet est encore plus explosif. Est-il totalement fou d'envisager de voyager non plus seulement dans l'espace, mais aussi dans le temps ? Les hommes rêvent de se déplacer à volonté dans le temps depuis des générations. La possibilité de voir notre avenir et de revivre notre passé est l'un des ressorts les plus passionnants de la fiction. Guess what ? Eh bien, figurez-vous que ça pourrait être possible, grâce une fois encore à Einstein et à sa théorie de la relativité. Einstein a compris que le temps ne s'écoulait pas au même rythme pour tout le monde. Il a calculé que plus vous vous déplaciez rapidement, plus le temps ralentissait pour vous. Alors, imaginons que j'ai une sœur jumelle. Elle reste ici sur Terre pendant que je grimpe dans une voiture de sport et que je voyage dans l'espace à 99% de la vitesse de la lumière. Non seulement je risque d'être malade, mais en plus, d'après Einstein, à mesure que j'accélère, le temps s'écoulera plus lentement pour moi. Du moins comparé à ma sœur. Donc, quand je rentrerai de mon petit voyage, j'aurais vieilli normalement, mais pour ma sœur, des dizaines d'années auraient passé. J'aurais donc effectué un saut vers l'avenir.
Et le plus extraordinaire, c'est qu'une expérience a démontré cette théorie. L'une des premières expériences a été réalisée peu après la mise au point des horloges atomiques, capables de mesurer le temps avec une précision de l'ordre d'un millionième de seconde. Deux horloges atomiques ont été précisément synchronisées et l'une d'elles a été embarquée dans un avion qui a fait le tour du monde. À son retour, on a remarqué qu'elle s'était décalée d'environ un quart de millionième de seconde. C'est exactement ce que la théorie d'Einstein avait prévu. Mais le plus passionnant en termes de voyage temporel serait de pouvoir retourner dans le passé. C'est ça qui intéresse les gens, parce qu'on aimerait tous remonter le temps. Pour effacer nos erreurs de jeunesse ou les revivre, ça dépend de notre humeur. Et, aux surprises, la science nous apprend que ce n'est peut-être pas non plus si réaliste. Les physiciens ont réussi à imaginer plusieurs sortes de machines à remonter le temps potentiel qui, d'après les lois de la physique, pourraient nous permettre de retourner dans le passé. Par exemple, en faisant tourner tout l'univers, en enroulant l'univers pour former un cylindre, un trou noir en rotation pourrait être une machine à remonter le temps. Avec une forme de beignet. Et attirer vers le trou noir. Si le trou noir vibrait de plus en plus vite, un gigantesque cylindre de matière qui tourne sur lui-même. Un trou noir en rotation. Une machine à remonter le temps quantique. Un grand nombre de phénomènes pourraient servir de machine à remonter le temps. Ce serait passionnant de voyager dans le temps, mais ça poserait un certain nombre de problèmes. D'ailleurs, nous en avons abordé certains dans Stargate. Et que se passerait-il si je remontais le temps et que je me tirais une décharge de ZAT? Si je suis morte, qui a remonté le temps pour me tuer? C'est un paradoxe temporel insoluble. C'est sur ce genre de contradiction qu'était basée toute la fin de la saison 8. Nous avons vu le tablet. Quel tablet? The one you haven't written yet, and put where the Stargate was supposed to be buried. Supposed to be. Confused? Vous trouvez ça compliqué? Nous aussi. Les paradoxes comme celui-là ont convaincu une grande partie des scientifiques de l'impossibilité des voyages dans le passé. Mais ces contradictions pourraient trouver une solution dans la plus étrange des disciplines scientifiques. Bienvenue dans la mécanique quantique, le monde insolite des particules atomiques. Il va nous donner une réponse encore plus étrange au paradoxe temporel. La mécanique quantique est le plus insolite des domaines de la physique. Par exemple, au niveau atomique, des particules comme les électrons font plusieurs choses à la fois. Pour aller d'un point à un autre, contrairement à une balle de baseball, un électron n'aura pas une trajectoire bien définie. En réalité, quand il va d'un endroit à un autre, un électron prend plusieurs chemins à la fois. Ça a l'air complètement fou, mais c'est vrai, et on peut le vérifier par les expériences. Pour l'expliquer, on utilise ce qu'on appelle l'interprétation multimonde. On pose comme hypothèse l'existence de plusieurs réalités différentes, qui coexistent au même instant T, et à chaque fois qu'on fait une observation, on se fixe sur une version de la réalité, sur une branche de la fonction quantique. Donc ça veut dire que lorsqu'on remonte le temps, on saute sur une branche différente et ce n'est pas grave si on change l'avenir parce que cette branche aurait de toute façon eu un avenir différent. Basically, scientists have theorized that there are an infinite number of dimensions, each containing a different possible version of reality. Well, it sounds like I theoretically, possibly, actually found one. Nous avons abordé ce sujet dans plusieurs épisodes de Stargate où des versions alternatives de Samantha Carter et de SG-1 étaient des personnages à part entière. C'est rare d'avoir plusieurs rôles dans la même série. Apparemment, ça résoudrait le paradoxe des voyages dans le passé. Donc, si je remontais le temps et que je me tirais dessus, tout ce que cela ferait, c'est que la version de moi de cet univers serait projetée dans un monde parallèle où l'autre moi aurait été tué. Adieu le paradoxe. Une fois encore, la science moderne se révèle au moins aussi insolite et étrange que les rêves les plus fous de la science-fiction. La science et la science-fiction s'intéressent toutes les deux aux possibilités. Et ce n'est pas très étonnant de voir que parfois les auteurs de science-fiction et les scientifiques trouvent les mêmes réponses à certains problèmes. Ce sont des gens très créatifs qui travaillent sur les mêmes sujets. La seule différence, c'est que l'auteur de SF se contente d'imaginer les choses alors que le scientifique doit les construire. Ce n'est pas encore vrai aujourd'hui, mais dans 10 ans, peut-être qu'on aura la possibilité de voyager par un vortex jusqu'à des planètes lointaines. Ou peut-être qu'on verra des créatures similaires aux réplicateurs sortir d'un laboratoire quelque part dans la Silicon Valley. Ça reste du domaine du rêve, on se sert de la science pour raconter des histoires. Mais ce côté scientifique plaît beaucoup à une partie des spectateurs.
pour qui nous sommes toujours à la frontière du possible. En matière de science-fiction, nous aimons tous qu'on nous emmène dans des univers fantasmagoriques. Dans Stargate, nous explorons de nouveaux mondes et voyageons dans le temps. Nous rencontrons des êtres venus d'autres galaxies et en apprenons toujours plus sur les dieux et les hommes. Nous traversons des distances extraordinaires et ramenons des technologies qui dépassent nos rêves les plus fous. Mais je crois que le plus surprenant là-dedans, c'est que tout ce que nous avons vu jusque-là est en fait possible. La science moderne constitue le plus incroyable et le plus fascinant voyage dans le monde de l'imagination. Et bien sûr, dans Stargate, il ne faut jamais se fier aux apparences. Dans le véritable complexe de Cheyenne Mountain, il y a une porte. Elle a plusieurs grosses serrures et une petite fenêtre condamnée. Et au-dessus, il y a marqué « Stargate Command ». Et c'est un placard à balai. Ah, je vous assure, un placard à balai.